Nous sommes des coucou. Wow. Quoi, tu veux te battre toi aussi? Hein? Tu me fais pas peur mon petit. Pourquoi mon petit, je suis plus vieux que toi donc tu fermes ta gueule. Popopo. Oh, on va prendre moi. Wouhou. On a peur. Vous êtes obligé de faire ça dans ma boutique. Homosexuel. Tu sais que je suis plutôt branché sadomaso. Ah, au secours. Quoi? J'ai plus de balles. Au secours. J'ai plus de balles. Ah, j'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une arme ou pas? Mec, vite, ils sont 4 armés à full. Je suis pris en otage, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis des props pour bloquer. Ah, aidez-moi. On les défonce, on les défonce. J'aurais besoin d'une unité d'intervention, n'importe lequel. Mais si on se rend, on se rend. Tu te rends, moi je suis juste le marchand, moi. C'est toi qui te rends, moi je suis juste le marchand. Au secours, messieurs. Oh là là, non, non. Oh non, ma boutique. Non. Ouais, alors c'est esclave. Ça me dégoûte. On devrait se rebeller. Bonjour. Ils le savent qu'on va se rebeller. Salut. Je viens en paix. Je voudrais parler à Maître Yoda. D'accord, tu restes ici. D'accord. Oui, allez-y. Putain, je suis dans la merde. Ah ouais, par contre, ça c'est mon vaisseau. Ah, nous sommes actuellement sur la planète de Géonosis, je sais pas si vous le savez. Ah, et il se trouve que l'Empire s'est approprié notre planète. Et nous venons avec vous en paix pour faire une alliance pour nous aider à les chasser à la prochaine guerre galactique. Si ça vous intéresse. Ah, j'ai parlé à Maître Yoda. J'ai pu contacter. Donc, ils sont d'accord. Y a pas de problème. J'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai eu du mal à les trouver en plus. Bonjour. Oh merde. Elle était ouverte la porte. Ah, je sais que j'avais fermé la porte là. Bref, quelle est la raison de votre venue? Vous savez bien que la planète allait à nous. Oui, on sait qu'elle est à vous. On est dans la merde. Dehors l'école. Surtout quand c'est la récré. Ferme ta gueule. Wesh ma gueule. Bonjour. Wesh tranquille gros. Ah, allez. Ça va ok, mais toi. Bonjour Tristan. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien et vous? Ah, ça va très bien. Présentez-vous. Ah bah, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Tristan Otaku. J'aime beaucoup lire des livres de style 1. Tu vois ce que je veux dire? Puis voilà. Ah, oui. Je fais que ça toute la journée et puis voilà. D'accord. La présentation nulle. Ah, je m'appelle Dildo. Dildo Face. Je suis étudiant. Plus tard, je veux faire de la photographie. Et j'ai 17 ans. J'ai 17 ans et j'habite quelque part. En RP, c'est moi qui ai ouvert le cours et après j'ai crash, donc après lui il a dû prendre le cours, je pense. En RP, moi je suis québécois. Vous allez compter chacun votre numéro, sachant que le premier il va dire 1 et les suivants 2. 3 à 4. Ah, ouais. Et t'es à cours de. On se la refait, les gars. Cours de maths. 1, cours de maths. 2, 3 à 4. À 5. 6 6 7. Mais c'était moi le 6. Vous allez vous présenter. Oh putain, encore. Chacun son tour. Oui, moi je m'appelle Alex et mon but dans la vie c'est de devenir professeur comme vous. Pardon. Oh, je suis seul. Bang the batter. Oh my god. Mais c'est la meuf de Elfengad. Je vous mets une photo tout de suite. Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, moi j'embarque Momo. On va l'appeler Momo. Momo l'extincteur. Bouffe-moi là. Bon, comment on l'appelle ce melon? Bah mon copain, t'as des règles ou quoi? ça dit qu'on fasse une bêtise. On fait pas taf. Allez Otaku, il y a un problème. After, je suis sur ton live en même temps. Oups. Bah tu veux toujours aller au temple Jedi? Il nous a pas fait un petit contrôle. Non, tant mieux, c'est bon, j'en ai marre moi. Donc je vais vous faire passer à chacun un petit test. Oh merde. L'enfoiré. C'est ma faute. Enculé, hein, t'as vu que c'était des tests. On va commencer par... Elle Targaryen. Non, non, non. Adieu tout le monde, je vous aimais. Ouais mais attends mec, j'ai les règles d'or et les règles de respect devant mes yeux. Eh oui mais je vais prendre une photo moi. Je vais pas prendre de photo hein moi. Non non. Non je ne vois. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non. J'aime pas ça.
tout. Y'a quoi? Mais y'a quoi derrière? Fuck you, you are so noob. Go learn to play Universal. Mais évidemment. C'est le moment. Lélian, prends ton pouvoir obscur. Vas-y. Mais t'es nul. Mais de toute façon, pourquoi je te le laisserais? Pif pata ponaka panaka pata lipalou bachala kakete. Oui, c'est la chatata. Eh, t'imagines en espagnol ce que ça donne Star Wars avec Dark Vador? No, I am su padre. Nada. Soy tu padre. Oh, c'est bien sur la route, ça roule bien. Y'a pas de combo, y'a pas de circulation là. Ouais, ça roule bien. Y'a pas trop de circulation. Hey. Le mec il me double. Eh, hey, la priorité, connard. Arrêtez là. Attends, oh, y'a de l'argent. Y'a de l'argent. Je sors dans vos quads. Oh yes, j'avais clairement un problème. C'est quoi ce rond qui est devant là? Oh yes, 128 000. Arrête. Oh si, et 13 Red Bull. Allez hop, je me casse. Oh, 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 j'ai reçu une balle. Oh. Oh, j'aurais pas dû monter. Je suis mort. Ah. Oh, oh. YOLO. Oh, oh. Oh, oh putain. J'ai perdu la moitié de ma vie, mon vieux. Vas-y. Je vais prendre mon arme. Oh. Oh, j'ai mis de ses têtes. C'est moi qui récupère ma voiture. Non, elle est morte là. Oh mec. T'as tout explosé. Bah, je suis mort. Je pensais que ça passait. Moi, franchement, je pensais que ça passait. Easy, tu vois. Je pensais que ça passait. Tu vas te faire engueuler. Genre, plus rien. Plus rien. Et attends, mais tu pensais quoi en fonçant dans la pierre que ça allait rien faire? Je pensais que ça passait à l'aise, mon vieux. Eh, on dira à Muscle qu'on s'est fait braquer au pire quand il reviendra. Vous êtes là? Ah, j'ai enlevé une caisse. On est là, ouais. Vous êtes mort? Alors, il est arrivé une histoire de dingue. Une histoire de dingue, mon vieux. Vas-y, raconte, Jolat. Alors les gars, attendez. Je voyais par 4 chemins, on s'est fait braquer, mon vieux. Et on était dedans. Le con, il a dévalé la colline, comme ça. Et bah bien sûr, avant de prendre le 4x4, il m'a demandé tout mon argent, que j'y ai passé. Bien sûr, normal. Il a pris mon 4x4, il a dévalé toute la colline comme un con. Hein. J'ai dit, mais arrête-toi, tu vas payer 4x4, mon vieux. J'ai dit, c'est pas possible, tu vois. Et bah genre, il a dévalé le truc, il s'est pris le rocher, le con, putain. Non, mais hein, c'est pas qui c'est. C'était un rebelle ou... Ah, je sais pas, c'était un couillon en tout cas. Pour sûr. Comme il l'a fait. C'était quoi son nom? Oh, mais j'ose même pas te le dire, mon vieux. C'est Askir là. Askir, c'est lui là. Askir, c'est lui là. Est-ce que c'est toi là? Je crois bien que c'est lui. Vous êtes pas défendu, genre vous les avez pas tués? Ah, bah on est ici. Pas le temps! Pas le temps, mec! Je vais conduire, je contrôle. Ouais. C'est parti, c'est quoi le frein à main? C'est pas. Attention, attention! Non, mec! Oh putain! Mais le con! Mais c'était quoi, les gars, le frein? Oh le con! Ah putain! Tu viens de niquer un hélico à 4 millions! Et il peut plus jamais l'avoir! Arrête! Faut qu'il en rachète un nouveau! 4 millions? Non, les gars, vous inquiétez pas, on va farmer, les gars! On va le racheter, t'inquiète, on va le racheter tranquille. Putain, merde! T'as combien sur toi, Mustang, là? J'ai plus assez pour m'en acheter un autre. Oh, oh la pauvre désespérée qu'il a pris, quoi! Hey, dans la douane, les gars. Excuse-moi, t'es un rebelle? Oh! 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 Tu l'as explosé, mec! 666! Bouge un peu! Le maire commence à... Bouge un peu! Putain, mais mec! Putain, les mecs, quoi! Cachez-vous les yeux, les enfants! Monsieur le maire, il y a des messieurs avec des flingues qui vous demandent. Ils rentrent. Merde. Ils vont rentrer. Arme-toi, reste enfermé. Les gars, au secours! J'ai appelé les filles, tu veux pas rien faire. T'es dans la merde! Y'a les mafieux qui montent, y'a des voleurs, y'a tout le monde entier, mec, qui monte. Y'en a là, oh!